Y a pas de gens avec moi. C'est un jeu d'équipe. Flash lancé. Jeu d'équipe, je me retrouve tout seul contre 3. Très bien. J'acquiesce. Qu'est-ce qui s'est passé quoi là? Ennemi liquidé. What the fuck? Il a fait une sorte de roulade devant l'autre. Oh putain, il y a un mec en haut. Ils sont deux pour toi. Comme des daubes au-dessus, vous avez vu? Des grosses daubes au-dessus là. J'essaye de monter comme une daube numéro 2. Daube numéro 2 qui essaye d'affronter daube numéro 1. Qui c'est qui gagne? Bah c'est pas moi. Vive les daubes. Qu'est-ce que c'est que cette map horrible? Mais c'est quoi ce fusil à pompe, putain? Il est horrible ce pompe, vas-y là. Attends, je réessaye avec ça. Ah déjà je cours plus vite, je sais pas pourquoi. Regardez la vitesse que j'ai avec ce pompe là par rapport à l'autre. Je vais super vite quoi. Je me dépasse beaucoup plus vite. Je sais pas pourquoi, pourtant... Oh la vache! T'as vu que la vitesse à laquelle je me déplace par rapport à l'autre? C'est un effet visuel ou c'est du réel? Par contre, effectivement, à moyenne distance, c'est beaucoup mieux, quoi. Enfin, en tout cas, le galop à moyenne distance, ouais, là, vous avez vu la galère que j'ai eue. Ciblage d'artillerie détecté. Par contre, et la vitesse à laquelle je me balade, là. Merde, l'artilleur ennemi, je risque de me faire niquer la gueule, c'est bon. Avion de contre-espionnage en approche. Oh, par contre, là, quand un truc comme ça, je l'aurais pas fait avec le galop, par exemple. Ça, tu peux pas le faire avec le galop. Mais quoi, il passe à côté de moi? Un militaire neutralisé. D'accord, déployer un avion de contre-espionnage. Une anti-aérienne ennemie neutralisée. On a pris l'avantage. Moi, je préfère celui-là, quoi. Enfin, en tout cas. Alors, ce qui est fou, c'est que ce pompe-là, j'ai déjà retrouvé dans Warzone. Mais je me sentais pas à l'aise avec. Après, il y a beaucoup d'accessoires dessus qui, justement, maximisent les dégâts, quoi. Vas-y, quoi, je rajoute toujours un quoi à la fin de mes phrases, quoi. T'as vu, quoi? À quoi tu joues, Rage, quoi? Vas-y, show your face, motherfucker. Oh putain, y'a un autre mec. Ok. Menace supprimée. Avion disponible pour utilisation. Changer de stratégie. L'ennemi est en tête. Je me recule. Dommage, y'en avait deux. Trop influencé, wesh. Non, non, mais même... ouais, c'est vrai qu'il parle un peu comme ça. Ah putain, c'est la galère. Je l'ai. Ah la vache, putain, j'essaye d'éviter les balles derrière, je me tape une autre. Opérateur demande un avion espion. Avion espion, s'il vous plaît, moi. Wesh, 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 wesh. Là j'avais un stagiaire, punaise. Le mec est envoyé par une mission locale, il servait à rien, il voulait pas bosser et tout. Je me suis arrêté de m'en occuper, j'ai dit je veux plus de mais c'est une blague.
Mais tout va à côté. Pitoyable. Tourelle anti-aérienne placée. On a pris l'avantage. Avion de contre. Shoot à face là. Shoot à face là. Oh la vache, c'est quoi ça? C'est allié ou c'est ennemi ça? Je sais même pas ce que c'est. RCXD ennemi dans votre zone des opérations. Votre tourelle anti-aérienne a été détruite. Putain, ils ont détruit ma tower. Ça c'est du GG. Je m'attendais, j'attendais ce qui m'attendait, ce qui m'attende. Et j'aurais pas pensé par le bâtiment. J'aurais pensé par l'autre côté d'où je venais. Donc c'est du bien joué. Avion espion ennemi en approche. Grenade flash envoyée. Attends, il y a un mec par là. Apparemment, il y a un mec par là. Qui est par là, là. Tourelle automatique active. Menace éliminée. La victoire est proche. Chut, chut, chut. Putain, je le vois pas. Ah, il est sur le machin vert, là. Putain, un foireux. Je vais essayer de placer un truc bien. Allez, nickel. Nickel, mon pote. Touché. Tourelle automatique ennemie détectée dans votre ZO. On va être à court de temps, CIA. Grenade flash envoyée. Ah, c'est là. Nous sommes la CIA. Ok, intéressant. Cadeau. Il a le gros sulfateux, ça sert à rien d'aller au corps à corps. D'ailleurs, il n'est plus là. L'ennemi a détruit votre tourelle automatique. Zone de la mission sécurisée. Le JSOC est fier de vous. Alors, rège-nous à Batman Arkham. Night. Immortal Phoenix Rising et un peu de COD, BOCD. J'en ai eu deux. D'accord, envoyez un avion et... C'est quoi ça, BOD, c'est Olivier. Call of Duty. Cold War. Ah, tu joues à Cold War, bah, si tu veux jamais tu veux jouer, tu dis. Hein. Allez, 100 CP. Tu t'en souviens, le mec, c'était le mec dans Striptease qui voulait rien faire, tu t'en souviens? Ouais. Non, mais lui, il te parle pas. Hein. Lui, c'est... il n'y a aucune parole. Lui, c'est, il vient les mains dans les poches et tout. Il s'en fout. Il est où mon, où sont mes jetons là? Je vais jouer un jeton d'XP arm. Voilà. Ah, les jetons d'XP ne se cumulent pas. Mais il fallait me le dire avant ça. Et je sais pas, mission locale. Je suis pas sûr que ce soit payé. Une quête express. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Twitter? Twitter, nous avons un message de Syla Rock. Et j'ai regardé un peu récemment tes dernières vidéos, la veste de prisonnier orange me tuera à chaque fois. Ah mais ça fait longtemps que je la mets. Est-ce qu'il ne manquerait pas un peu Syla Rock?
La veste, je l'ai pas mise depuis longtemps. Oh putain, c'est l'enfer par là. Ah, waouh, 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 waouh. Oh merde! Putain. Ça commence très mal. Oh là, je suis sur un 0-3, un 1-3. 1-3, mes chers amis. Attends, il y a le bruit de quelqu'un qui est sur le. On est en train de perdre l'avantage. Putain, mais c'est totalement nul ce que je fais là. Ah, j'ai quand même du mal. Le problème du galop, c'est qu'il est bien à moyenne distance, mais à grosse distance, enfin à courte distance, c'est pas très expéditif. Mais putain, zut! Donc je suis obligé de. Oh la vache! Alors là. Par contre, ça fait un de ces boucans. Allez, on va aider l'équipe. Tacom! 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 Scheisse! En fait, cette map, tout se joue au centre. Enfin, je vais me cacher là parce que je vais crever, moi. Non, les shit. Attention, on va prendre le couloir. Couloir pris. Attention. S'appuie. Aïe aïe aïe, attends. Je vais réessayer dans ces couloirs avec l'autre là. Attention. Ah mais attends, c'est. T'as vu la différence avec le galop? Là c'est une balle. Ça n'a rien à voir. Il y a une différence, et c'est intéressant justement qu'il y ait une différence. Ça montre que tous les pompes ne sont pas les mêmes. Oh, je l'ai cramé, excellent. On prend le contrôle. Mais c'est du GG, ça y bute tout le monde. Un 3 en bouge, un 3 go. Ah la vache, il lui aurait été 5 HP à l'individu. Grenade flash envoyée. Ah, c'est du GG. C'est du GG, il a pré-shot, ce qui était tout à fait logique. Étant donné le bruitage des pas, on va tenter d'y aller. Ah bah lui, il était nul. Putain, on a détruit notre tourelle automatique. Putain, comment j'ai loupé? Alors là,
C'est un RIP. Terrible. Il est flashé, go. Dégage, merci. Ok, il y a un mec là-bas. Trop tard. Putain, là, ça aurait dû le buter. On est allé pile sur pile, pile sur pile, pile sur pile. Allons le mettre avec Tontonné qui parle comme lui. On va voir s'il y a quelqu'un. Avion espion ennemi dans les airs. Des fois ça joue. Putain de gaz. Je pensais avoir le temps de passer, je n'ai point eu l'opportunité. Oh. Allez, 74-77, 74-78. Putain, 74-80, on s'est pris 6 points de suite. Que c'est mauvais. Sept points. L'ennemi a déployé des tourelles automatiques dans votre zone. Colis stratégique ennemi en approche. Oh là là, 6 points. Alors ce qui est fort, c'est qu'ils ont changé en fait de strat. Ils ne passent plus par le centre, puisqu'ils savent que je suis ici en train de check. Comment je l'ai esquivé, lui? Donc en fait, faut aller les chercher, quoi. Faut aller les déloger. Ah bah alors lui, il est complètement con. Putain! Oh la vache! Il a bougé en même temps, c'était impossible de switch. Ah merde! Cocktail Molotov lancé! Je vois du Semtex! Mais putain, j'envoie ma flash pour qu'il revienne là. C'est pas vrai ça. Je lance un cocktail incendiaire. Tacom, envoyez. Allez, 96-96 là, bordel. Go là. Putain, 97-98, non. Mais non. On a perdu. Putain, on était revenu en plus. Il y avait 6 points d'écart, on est revenu au coude à coude. Ben voilà. Tout part là-dessus aussi. Il nous fait une série de 6 comme ça. C'est terrible, moi je vous dis des choses comme ça. Ce n'est pas possible. Dommage. Ah, la brioche. Ok, sniffage de brioche.
On va passer sur Cold War pour voir la différence de gameplay, tiens. Est-ce que ça marche bien déjà? Normalement, ça fait un switch entre les deux. Est-ce que ça marche? Ah, ça a l'air de fonctionner. Sauf sur le stream, bien sûr, vous n'avez pas le truc. Alors, il est où le Modern Warfare là-dedans? Alors, quand je change de jeu, ça rame à fond déjà. C'est compliqué d'être sur le PC. Je ne trouve pas la fenêtre pour l'instant. Alors, Modern Warfare, il est où? Il est là, voilà, je l'ai. Ok. Donc là, dans Warzone, qu'est-ce qu'on a comme classe? Je vais voir. Ah ouais, donc on a bien des classes différentes dans Warzone. Avant, c'était pas le cas. Donc normalement, alors comment je peux faire justement une classe pour Warzone? Moi, je veux un fusil à pompe. Voilà mon fusil à pompe. Mon fusil à pompe préféré. Est-ce que... Ah, mais par contre, j'ai pas les mêmes trucs. On a des dégâts qui sont statiques. C'est pas pareil Warzone, parce que généralement, j'ai le canon pour renforcer les dégâts, sauf que là, on l'a pas. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Portée dégâts, vitesse des balles. Non, c'est nul du coup celui-là. Portée dégâts augmentée. Ça, c'est l'air mieux, le lourd renforcé. Par contre, on perd de la mobilité. Est-ce que c'est grave? Non. Il nous faut un laser, c'est pas mal. Lampe torche visible des ennemis. Avec tout ça, t'es visible des ennemis. Par contre, tu gagnes en portée, précision du tir au jugé, ça a l'air excellent, mais... Temps nécessaire pour regarder dans le viseur, on s'en fout. Temps de transition du sprint au tir, lampe torche visible. On pourrait essayer. Parce que l'idéal, c'est d'avoir plus de dégâts, plus de portée. Je perds la mobilité. Bon, on va voir. On va tester ça. En bouche. Inconvénient. Visée accélérée. Stabilité. Mais on ne veut pas viser. Attendez, c'est un peu silencieux. Je vais mettre de la zic. Je sais pas si elle est forte après la musique. Elle est peut-être trop forte. Non, c'est bon.
Donc, on veut quelque chose de pas mal. Ça, ça a l'air bien, mais on a visée accélérée, on a stabilité. Bah non, on s'en fout en fait. On veut pas de visée, on veut pas stabilité, c'est pas grave. En munitions, ce serait bien d'avoir quelque chose de mieux, non? Non, ça, la mobilité. Faut pas que je perde plus de mobilité que ça, quoi. La poignée arrière, on a quoi? Stabilité de visée, dans ce tressaillement. Mais j'arrive pas à me concentrer avec la musique. Cross marathon, vitesse déplacement en mode visée, vitesse de marche en visant, 30 transitions, précision du tir au jugé. Non, on perd. On perd sur C3, donc c'est pas la peine. On va surtout jouer au jugé. Donc la crosse, elle a pas vraiment d'intérêt pour nous. La lunette non plus. Il nous reste munitions et poignée arrière. Donc munitions, bah c'est pas mal. Munitions. Mais je perds encore en mobilité avec ça. Bah cette cartouche et poignée arrière. Faut qu'on regagne en mobilité. Du sprint au tir, on perd là-dessus. Moi, je dirais celui-là. Voilà. On perd en mobilité, mais on a gagné en dégâts, etc. Et après, on peut rajouter un camouflage. Normalement obtenu, voilà, à partir de Black Ops et compagnie. Ou un petit camouflage psychédélique. Avec un porte-bonheur. Oh, la reine! Pas mal, ça. Un autocollant. Non, on va pas mettre d'autocollant. Donc, en arme principale, on se trouve avec le Howard 77 de Black Ops. Et en arme secondaire, on peut prendre quoi? Lanceur. Ah, mais il y a carrément un lance-grenade. C'est énorme, ça. Mais on s'en fiche un peu parce qu'on changera après l'arme. C'est pas l'important. Les atouts pour Warzone, ça n'a pas d'intérêt, les chaînes d'élimination. Augmente de chance de trouver les dans les caisses. Je sais même pas. Quelle est la probabilité, on ne sait pas. Indétectable pour système de ciblage, une aide thermique, on s'en fout. Régénération. Pillard, on s'en fout. Le pillard, il y aura des munitions partout. Des mineurs, on s'en fout. Pas de course. Je vois soit pas de course, soit régénération rapide. Les tirs à explosion m'ont lié une série d'éliminations aux affiches moins des. Sinon, ça, moi, je vais prendre pas de course. Bon, régénération. Dès que vous éliminez un joueur, on se régénère. Ouais. Deuxième détermination, c'est pas intéressant non plus. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Livraison express. C'est pareil, ça sert à rien. On a fantôme sinon. Indétectable par les drones. Capteur cardiaque. Mais voilà, c'est bien ça. Ok. Et enfin, là, tout trois, on a quoi? Tracker, les ennemis laissent des. Oula, laissent des traces. Endurcir au combat, réduit les effets des flashs. Ça, on s'en fait survolter. Technicien, on s'en fout. Tracker, ça peut être bien parce que t'as aussi les traces des gens. Bon, on va partir là-dessus. Et ensuite, en mortel, on va prendre du C4. Non, du C4, non. Un petit cocktail Molotov et puis une grenade paralysante. Et voilà, ça nous fait une classe rapide. Donc, on va voir ce que ça donne dans Warzone. Justement, parce que normalement, tu fais tomber ta caisse. Tu fais tomber ta caisse d'approvisionnement. Et à partir de là, tu peux avoir la classe que tu as créée, comme disait Red hier.
la moulaga. Les Maximes. Préparez-vous correctement, on y est presque. Place à repère. C'est la playlist de Moulaga. Un ennemi atterrit dans la zone, surveillez le ciel. Je marque l'emplacement d'une cible. Voyons voir. Basique de BO2. Putain, le jeu il est moche, n'empêche. Comparé à Cold War. C'est moche. C'est bon, l'échauffement est fini. Maintenant, faut se lancer. Le jeu est laid. Bon alors normalement, avec le gars avec qui j'ai joué ce matin, il faut collecter de l'argent pour ensuite demander un réapprovisionnement et avoir ta classe. Viens drop. Oh merde, j'ai quelqu'un. L'objectif, c'est d'éliminer tous les ennemis. Ça, c'est quand même autre chose, l'ambiance. Parce que dès que t'es mort, là, c'est fini, quoi. T'es obligé de jouer en zoomant, sinon ça passe pas, quoi. Vas-y, mais putain, pourquoi je rajoute des quoi tout le temps, là? Vas-y, quoi. Arrête. Faut que je lise. Je vais lire. Il faut lire des livres. Écoutez, regardez des films, parce que là, des... Vas-y, quoi, vache quoi. C'est qui parle comme ça au boulot, en plus? Ou alors, si je regarde des streams, ça parle mal. Je mets ta casquette à l'envers. Non, je parle de façon naturelle avec des quoi. Ah oh, putain, samedi matin, j'étais à la... Fallait que je prenne le bus pour aller au taf à 5h. Le samedi matin, à chaque fois, ça craint. Je vois un groupe de... De racailles au loin. Je me suis dit putain, je suis sûr qu'ils vont venir me faire chier. Et il est bien venu me faire chier. Il m'a dit, vas-y, t'as pas une cigarette? T'as pas une cigarette, mec? Déjà il se met à côté de moi, il me met son poing pour que je check, pour que je check son poing. Donc je check son poing en mode bas les couilles. T'as pas une cigarette? T'as pas une cigarette, mec? Je lui ai dit, je vais travailler. Vas-y, non, je lui ai dit, vas-y, je vais au travail. Je vais au travail, on n'a pas le droit aux cigarettes. Drone ennemi au-dessus! Vas-y, on n'a pas le droit aux cigarettes, mec. Tu crois quoi, là? Il me dit, tu sais quoi, staff? Je lui dis vas-y. Je lui dis vas-y. Parce que je bosse pas, je bosse dans une autre ville où ça craint. Donc je lui dis vas-y, c'est ça la ville, tu vois. Vas-y, c'est comme ça là-bas, tu vois. Ouais, bah merci, frère. Vas-y, frère.
Après, je me suis éloigné parce qu'ils étaient une bande dans le bus. Et ce qu'il faut faire dans le bus, c'est... C'est surtout pas monter à l'arrière. Enfin, tu montes à l'arrière, mais tu restes devant. Si tu restes devant, pas loin du chauffeur, on va t'emmerder. Si tu restes dans la partie arrière, là, ça craint. Parce qu'il y a une grosse séparation. C'est pour ça que quand je vois des gars un peu craignos dans le bus, moi, je me mets à l'avant. Ça, t'es pas loin du chauffeur. Et s'il y a un problème, t'as appelé la sécu. Éventuellement. Il y a un mec. Ok. Putain, j'ai pas plus d'étages que ça, ça me fait yesh. Je vais rester au Milano. Il a des précautions de mamie. Non mais tout se joue très vite dans les embrouilles. Il suffit que tu aies un coup de poing mal placé. Tu tombes. T'as des séquelles. Endgame. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc si on peut... Ok, ok, je vois. Je passe. Impeccable. Oh, quelqu'un est rentré ou quoi? Ce qui fait chier, c'est que t'es obligé de fuir dans Warzone, c'est casse-couille. Ils ont des zones d'intervention tellement grandes que... Des fois, il vaut mieux s'extirper pour avoir un meilleur... Enfin, un contexte plus favorable. Notamment, faut que je regarde où est-ce que je peux acheter justement là-bas. Station de ravitaillement marquée. Un coup de couteau mal placé. Non, mais surtout qu'il y en a des fois, ils cherchent l'embrouille et puis ils te retournent ça sur toi. Un client qui m'a emmerdé, comme je disais hier. Sauf que le... C'est pas un client blanc, on va dire. Et même si c'était pas raciste, ils peuvent éventuellement détourner ça. Il y en a, ils sont tellement pervers. Merde, le largage, c'est 10 000. Ok. Et du coup, tu te prends un tort illégitime. C'est ça qui fait yesh. Faire très attention. Bonne chance pour entendre dans le game car les missiles couvrent les bruits de pas. C'est clair. Ah, je pensais que c'était beaucoup plus facile d'avoir un largage, mais non. Putain, c'est 10 000 quand même. Et encore, je me dis, tu fais ton largage, est-ce que c'est vraiment safe et tout? Un largage tactique approche de votre position. Ah voilà, il y a un largage là. Alors ça, c'est un... C'est quoi ce largage? Est-ce que c'est un joueur ou quoi? On approche. Déplacement de la zone de sécurité. C'est... J'essaye de piger un peu. Ah d'accord, là il a pris son largage ou pas? C'est à qui le largage? Est-ce qu'il y a des...
Est-ce qu'il y a des largages qui sont aléatoires ou pas? Ou c'est un joueur ça? Avis aux connaisseurs. Attends, l'autre, il y a Toons qui m'invite, mais attends, Toons. Je sais pas. Ah ouais, voilà, personnalisé, putain. Mais je comprends, en fait, j'avais jamais vu l'onglet personnalisé. Ah bah donc, j'ai mon pompe qui tue, là. On va voir. Ah mais j'avance pas, ça me casse les burnes. T'as vu comment je parle mal? Non, mais ça me casse les burnes. Dans Black Ops, dans Cold War, j'avance super vite. T'as vu comment je me traîne? Rejoignez la zone suivante et C'est pas sécurisez-la. possible, ça. Pourquoi je joue aussi lent? Regarde la vitesse du perso. Tu peux rien faire avec le fusil à pompe, avec ça. Wesh. Ah, faut double-cliquer pour sprint, j'avais même pas. Ok. Drone ennemi au-dessus. Attends. Ah, mais c'est chiant le double-clic pour sprint. Il me faudrait simplement une. Comment on fait pour bouger ça là? Moi je veux sprinter simplement avec la touche shift là. Putain, je viens de découvrir le sprint. Sprint automatique en position debout. Ah bah voilà. Attends. Voyons voir. Non, normalement, il sprint tout seul. Ah, mais voilà! Et là, je sprint. Ah bah ça y est, mais... Merci Nashimori. Au bout de 30 heures de jeu, je découvre que l'existence du sprint. Non mais c'est nul. Et du coup, en fait, c'est que j'affrontais les ennemis en marchant. Ah oui, mais attends, je connaissais pas l'existence de ça, moi. Pour tirer, c'est clic gauche. Non, mais je savais pas, moi. Ah, vas-y, les mecs, ils sont morts maintenant. J'ai jamais joué à Warzone en sprintant. Putain! Ah bon, c'est bon maintenant. Ah ouais, attends, je retrouve ma vitesse là. Ah, c'est bon, c'est terminé là. Endgame. Alors là, c'est endgame pour les mecs. Ah, par contre, il dure pas longtemps le sprint tactique là. Ah là, c'est fini quoi. C'est fini! Ah, là, c'est la win pour moi là. Tac, 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 tac. D'autres trucs, mais c'est payant. Non, mais ça change tout. Je savais pas que ça existait, moi. Il y a tellement de trucs, parce que notamment, tu as aussi. Attends. Mettons, ça existe aussi le franchissement automatique. C'est-à-dire que ça franchit automatiquement, t'as rien besoin d'appuyer. Ah, mais ça, c'est con, ça. Non, ça, par contre, c'est moche. Attends, il y a un truc qui existait. Je crois que c'était dans les paramètres de souris, justement. Viser. Ah, le gaz arrive. Faudrait que je fasse On le va avoir tour, on une va nouvelle voir ce zone de qu'il y a. sécurité.
drone ennemi au-dessus. Bon, ok. Échec du contrat. Va falloir se réveiller. Ok, ok. Ah bah je suis dans la zone. Bah je vais rester là je pense. Tes classes qui sont pas mal. Bah pour l'instant je teste, écoute. Là surtout l'idée c'est de voir en... Est-ce que ça marche en prenant une classe qui est bah, de Black Ops. Là je suis plus sur un modèle Black Ops avec le pompe. Enfin d'habitude j'ai pas la torche là. Bah je vais rester là. Normalement... J'ai les atouts... ça s'affiche pas nos atouts. J'ai l'atout fantôme normalement. Le gaz est à proximité. Est-ce qu'on a nos atouts qui s'affichent quelque part? Non. Ça ne s'affiche pas. Ok. Ok, my friend. I'm ready to kill people. People. Ah, la fenêtre est pétée, je m'en tape. Est-ce que quelqu'un là? Non. Rejoignez la zone suivante et sécurisez-la. Ok. Are you ready? Run for your life. Tac, 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 tac. Ok. Oh, il y a une caisse à côté. Shit. Ça sent l'embrouille, mon pote. Ah, y a personne. Ah, il est quand même plus lent le perso quand je le bouge là. Fusée de précision. Faudrait que j'arrive à la zone à sécuriser. Ça pue. Je me dis, je vais sur le toit, je vais me prendre un coup de snipe. Putain, il est pas loin le mec. Objectif principal atteint. Données de reconnaissance sécurisées. Faut que je trouve sur la map où je vais. Là, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal, faut aller par là-bas. Non, ça s'affiche pas seulement quand tu prends ta classe au largage. Ok. Le gaz se rapproche. Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Par contre, j'ai aucun moyen d'y aller. Ou sinon, je prends la caisse. Mais la caisse, c'est un coup de. Le problème de la caisse, c'est que je me prends du Semtex. C'est à quoi se prendre du Semtex? Bon allez, je t'en push. Enfin, je le prends pas, mais je passe à côté. C'est super dangereux ce que je fais, je suis en plein milieu. Ah, le sprint tactique, il dure pas longtemps, là. J'appuie sur le sprint, ça fait que dalle. Ils auraient dû mettre une jauge. On est
Attention, le gaz se rapproche. Ou alors, il faudrait qu'ils annulent... Il faudrait limite une touche pour annuler le sprint. Il fait des classes assez puissantes. Putain, c'est un peu dommage, ça. Je dois traverser tout ça, ça aurait été mieux en bagnole. Je prends la caisse, tant pis. Je vais prendre la caisse. Bien que c'est à côté d'une... Non, tant pis, j'y vais. Si je prends la caisse, je suis à côté d'un endroit pour prendre des trucs. Le problème, c'est que c'est souvent un nid à ennemis, ça. Par contre, il y en a un là-bas en bordure, je pourrais y aller. Par contre, comment je monte ? Impossible. J'espère qu'il n'y a personne qui squatte. Non, c'est bon. Elle est où la caisse? Elle est là? Ah merde, il y avait un XSD, tant pis. Je savais pas qu'il y avait un RCXD qui était possible. On va mettre un petit drone pour y aller. Gaz en approche. Déplacement de la zone de sécurité. Un drone arrive. On peut avoir la map ou pas pour voir les ennemis? Vous êtes pourchassé par une... Oh, il y a un mec à gauche. Ouvrez l'œil. Je m'en fous, je vais aller dans le bâtiment là-bas. Un largage tactique approche de votre position. Drone ennemi au-dessus. Oh putain, il y a des mecs un peu partout. Dans le bâtiment où je vais, ça a l'air safe. Attention, le drone n'a plus de carburant. Ça, c'est safe. Pour ravitaillement. Ici. Je suis coach Warzone, ok. Je suis avec ma torche, pas du tout visible. Le gaz se rapproche. Pam bam. Pam bam bam. Il s'est arrêté sur le bâtiment en U. Drone ennemi au-dessus. Les bruitages à la bouche. Drone ennemi au-dessus. Drone ennemi au-dessus. Это страж 5-1. Начинаю атаку. Газ, он approche. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Pourquoi on voit plus rien? Страж 5-1. Двойное попадание. Un mec au-dessus. Je ne vais pas bouger. Notez les coordonnées de son... Non, mais, putain, il a parlé dans le jeu. Je suis foutu. Le gaz se rapproche. Merde. Ça va mieux. Putain. Waouh, waouh, waouh. Ça va mieux.
Mais attends, non, il va arriver. Mais putain, mais c'est quoi ce pont? Le pont à deux balles. Vous étiez dans le top 25. J'ai cliqué, le machin, on dirait qu'il s'est bloqué, il a ripé quoi. Mais la revanche est imminente. N'importe quoi le pont. C'est quoi cette jouabilité de merde? J'ai appuyé une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. C'est pas bien joué du tout. Putain, j'ai rien compris quoi. Attends, je vais poser une minute, j'arrive. Putain, j'ai rien compris là. J'ai compris ce qui s'est passé. Allô. J'ai compris ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, sur le Black Ops, tu fais un clic, le gars est mort. Donc là, j'ai fait qu'un clic par, par réflexe, j'en ai pas fait d'autres. Ah. Et donc il a perdu 2 carrés d'armure au lieu de mourir totalement. Donc il aurait fallu peut-être 3 clics. C'est con ça. Ouais. Joki la bannière, c'est joli Maxime. Le drapeau français. Préparez-vous correctement, on y est presque. Préparez-vous. Un ennemi atterrit dans la zone, surveillez le ciel. Bah le comble, ça me donne plus envie du coup.